Donc, je connais Olivier, c'est mon ami, mais je n'avais jamais assisté à une de ses formations. Eh bien, moi, je peux vous dire que c'est du, mais vraiment du top niveau. C'est de la bombe. Alors, moi, je le voyais ici, mais là, il est. Ça ne s'arrête pas. Vraiment, vraiment top. Si on veut avancer au niveau de l'abondance financière, il vous explique les choses et en plus, avec des exercices, vous avez une énergie extraordinaire dans la salle. Donc, je vous conseille Olivier Madelrieux. Bonjour, je m'appelle Catherine Saint-Martin et voilà Patrick Villani, un ami. Nous travaillons ensemble et sincèrement, je voulais dire ce que je ressentais vis-à-vis de la conférence de cet après-midi, du séminaire. C'était vraiment génial. Ça nous a beaucoup appris. Ça nous montre ce qu'on doit mettre en place, qu'on doit continuer de mettre en place dans notre groupe, de façon à aider nos partenaires à avancer, à s'améliorer, de façon à aller vers la richesse que chacun s'est destiné. Voilà. Merci encore à Olivier. Et on va garder un très bon souvenir de cet événement. C'était super. Vraiment fabuleux, fabuleux. Voilà, on sort vraiment dans un état intérieur changé et grandi. Donc on va appliquer les méthodes qu'on nous a apprises cet après-midi au bénéfice de tout le groupe qui nous reconnaît. Bon, merci pour cette formation qui nous a apporté beaucoup de choses à moi et mon équipe. Franchement, très très bon, très très bon, très très bons exercices. On a pu vraiment partager quelque chose qui pour moi est essentiel pour notre développement personnel et pour la suite de nos affaires. Merci Olivier, merci pour tous ces conseils, merci pour tous ces exercices et bonne continuation pour le futur. Séminaire riche en émotions. Un enseignement ultra puissant, on est passé vraiment à un autre niveau, là on est version 2.0. Voilà. Bravo vraiment Olivier qui a fait un super boulot. Bon, à la fin de ce séminaire, je tiens à remercier Olivier Madelrieux pour tous les enseignements qu'il nous a transmis. J'ai pu ressentir au cours de cette journée ma physiologie changer, ma colonne vertébrale se redresser. Et ces enseignements, je les garderai toute ma vie. Donc, je voulais vous dire que je suis en gratitude totale, juste pour le fait de pouvoir rencontrer des personnes comme Monsieur Madelrieux, Olivier. Une personne très humble, avec des enseignements qui sont hors de prix, qui sont très accessibles, très digérables, et vraiment qui peuvent vous faire passer un niveau supérieur de conscience personnelle, d'évolution. C'est clairement un enseignement qui n'a pas de prix et qui est extraordinaire. Je vous conseille de tout mon cœur et fortement de participer à ce genre de séminaire. Vous allez sentir tout de suite la puissance qui va vous envahir, en fait, clairement. C'est vraiment une expérience extraordinaire. De suivre un super séminaire avec Olivier, vraiment, c'était du très haut niveau. J'ai l'habitude de faire pas mal de développement personnel, mais là, les choses sont vraiment mises en place pour moi. Non seulement j'ai compris beaucoup de choses, j'ai eu beaucoup de compréhensions nouvelles, de choses que je comprenais déjà, mais avec les connaissances géniales qu'a Olivier, ça a vraiment mis les choses en place. Et on a fait beaucoup, beaucoup d'exercices aussi qui m'ont aidé à passer vraiment à un autre niveau, à me libérer de blocage et à devenir vraiment un aimant à ce que je veux attirer dans la vie. Voilà. Donc, merci beaucoup à Olivier et je vous encourage à venir faire ce séminaire aussi. Alors Olivier, je tiens à te remercier de tout mon cœur. Tu nous as appris pas mal de choses, beaucoup de choses pendant cette semaine et ça va nous servir durant toute notre vie, dans notre métier ou dans notre vie d'ailleurs. Et mis à part l'hypnose, on a vu la neuroscience, on va dire, en règle générale, donc les neurotransmetteurs, tout ça. C'était très intéressant et j'encourage vraiment les gens à venir à tes séances. Voilà. Je te remercie encore beaucoup et à bientôt. Je n'ai qu'une chose à dire, absolument extraordinaire. Il y a différentes formations qui existent. Le plus dur, effectivement, c'est de trouver la formation, mais là, c'est THE formation. Je suis venue du Var. De Paris. De l'Essonne. Je vis en Californie.
une grande paix et une attente, je vais dire une attente joyeuse et calme d'un futur meilleur. Complètement rechargé, plein d'énergie, plein d'espoir pour sa vie et tout semble très positif. L'énergie, c'est au top. Je pense que c'est très difficile de ne pas être élevé, si on peut dire, et tendre vers le positif. Je suis venue chercher une façon d'évoluer plus haut, d'aller plus loin sur le plan spirituel. Et une façon de le faire, une façon très concrète de le faire au quotidien et d'évoluer, une façon d'évoluer aussi rapidement, d'obtenir des résultats concrets dans ma vie, sur le plan très très pratique dans ma vie quotidienne, mais aussi sur le plan intérieur et essentiellement sur le plan intérieur, puisque c'est d'abord sur le plan intérieur qu'il faut évoluer pour voir sa vie changer extérieurement. J'ai trouvé ce que je cherchais, justement. Donc, j'étais en recherche, je cherchais quelque chose pour comprendre le sens de ma vie, qu'il fallait que je change des choses dans ma vie. Et l'Oponopono m'a permis de vraiment accéder à quelque chose de concret. Et je commence à ressentir les bienfaits dans ma vie. Je suis venu approfondir l'Oponopono. Et j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire qui m'a permis de savoir exactement où est-ce que je dois aller et comment je dois faire. J'ai fait différentes formations. J'ai fait des études d'abord de psychologie et après le bac, il y a déjà quelques années. Et puis j'ai fait une formation en programmation neurolinguistique, PNL, en sophrologie. Essentiellement, oui, voilà, donc en hypnose aussi, auto-hypnose. Et donc toutes ces techniques-là me sont assez familières, oui. Je trouve qu'Olivier a beaucoup de qualités parce qu'il est excessivement précis sur ses mots. Ses mots sont simples, son discours est simple et très efficace. Donc au niveau de l'intégration, de la compréhension, on n'hésite pas. Et je crois que son énergie personnelle fait que ce séminaire se passe formidablement bien. Et je sens autour de moi que les gens ont la même perception. Oui, moi je suis sur le parcours de développement personnel depuis un certain nombre d'années. Et je dois avouer que c'est un long parcours. Et Olivier met en avant un aspect... Qui est très important dans ce processus, c'est que on avance lentement. Et moi, je vis dans la synchronicité. J'emprunte ce terme-là à Jung depuis déjà un certain nombre d'années. Et donc, j'ai essayé différentes approches. Et là, dernièrement, j'ai vraiment beaucoup de gratitude de m'ouvrir à la méthode, la pratique, enfin la philosophie hawaïenne, le Ho'oponopono. Et parce que je suis au parcours du pardon et de l'ouverture du cœur. Et vraiment, je découvre là, avec l'Ho'oponopono, une pratique qui vraiment résonne en moi. Et donc, j'ai commencé à la pratiquer et j'avoue que je suis très heureuse de cette synchronicité. Dynamique, extrêmement cultivée. Esprit ouvert à 360 degrés, une grande compétence, une grande générosité, beaucoup de cœur. Il est vrai, il est authentique, il est honnête. Super, magnifique, extraordinaire. Et simplicité, humilité, vraiment extraordinaire, générosité. Et vraiment très très approchable et voilà, je vais utiliser ces termes et il utilise beaucoup le terme de merveilleux et de gratitude et je pense que ces deux termes-là, il les incarne. De Paris. De Bretagne, de Rennes. Paris 15e. Alors je suis venu de la région de Parisienne et plus précisément de l'Essonne, donc au sud de Paris dans le 91.
L'énergie, elle est au top. Je me suis sentie très très heureuse et très forte après une vision de la vie un peu différente et une volonté surtout de mettre en application. Bon, je me sens merveilleusement bien. J'ai beaucoup plus d'énergie. J'ai très peu dormi, mais je suis en pleine forme. Alors c'est un niveau d'énergie exceptionnel. Aujourd'hui, Olivier assurerait aussi en moi va vraiment des choses exceptionnelles. Dans quel sens? Dans le sens où on découvre une nouvelle pratique, d'accord? Donc la philosophie hawaïenne. Et c'est quelque chose que je trouve très fabuleux. Donc je suis excité en fait d'apprendre ça et de pouvoir l'appliquer dans ma vie. Je suis venue chercher une nouvelle énergie d'amour, d'amour divin, un nouveau chemin. Et j'ai trouvé, je suis... C'est une nouvelle naissance, mais en conscience. J'étais venue chercher une aide parce que je suis dans un problème difficile, effectivement. Et je pense que... C'est peut-être une façon d'améliorer le problème. Que c'est une façon, d'ailleurs, je sens que c'est plus positif. De toute façon, déjà de moins cristalliser dessus. C'est le deuxième séminaire que je fais avec Olivier. Je cherchais donc le nouvel Ho'oponopono. Donc avec des nouvelles méthodes et vraiment une énergie et une énergie mais authentique. Avec la vraie philosophie hawaïenne. Qui change l'autre au Ho'oponopono. Je suis venu chercher en fait un développement de moi-même, donc un développement personnel, parce qu'à la base je suis quelqu'un qui cherche à s'améliorer constamment, être une meilleure version d'elle-même. Et c'est ce que j'ai trouvé aujourd'hui par la pratique de la philosophie hawaïenne. Il est vrai que j'étudiais déjà le Ho'oponopono grâce à Olivier, donc gratitude sur YouTube, et je voulais en savoir plus en fait sur ses pratiques, car je sais que j'ai déjà vu que le peuple hawaïen est un peuple qui a ce que je veux, c'est-à-dire qu'ils sont souvent radieux, souriants et joyeux. Et c'est ça que je suis venu chercher en fait, cette joie de vivre et cet amour. Quand j'ai vu Dr Olivier Madelrieu, je me suis dit c'est bien, c'est tout. Et puis au fur et à mesure des heures, j'ai découvert un être authentique. Et à travers une souffrance qu'il a dû vivre, j'ai senti ça. Et je me suis dit, c'est par la souffrance qu'on arrive à redonner aux autres, quand on est soutenu. Et c'est mon premier séminaire, enfin le deuxième maintenant, avec lui. Auparavant, je n'ai jamais fait de séminaire. Et ça m'a redonné le goût de vivre et de redonner avec force, sans m'oublier. J'ai suivi pendant très longtemps l'enseignement d'un maître soufi, qui était Pir Vilayat Inayen Khan, et qui nous donnait aussi des techniques de respiration et nous apprenait à méditer. Et je suis aussi allée beaucoup au Brésil. Je vais toujours au Brésil. Je suis allée 9 fois voir le médium Joao Tedes, et aussi je communique un peu avec les entités. En fait, un jour au Pir Vilayat, là, quand j'étais là-bas, il est venu me dire qu'il m'avait enseigné plein de techniques, mais que je les mettais pas en pratique et que j'aurais dû les mettre en pratique. Et c'est un peu les mêmes techniques de respiration qu'ici, voilà. Mais ici, on est plus. Lui nous enseignait des techniques de respiration, mais on les mettait pas assez en pratique, enfin on n'insistait pas assez sur la pratique pour nous personnellement. Ça fait à peu près depuis 10 ans que je fais de développement personnel et c'est le top de top, celui-ci. Alors oui, j'ai déjà eu la chance de faire d'autres séminaires de développement personnel, dont un précisément avec Olivier. Si je dois comparer aujourd'hui, le séminaire que je suis en train de vivre aujourd'hui, c'est le séminaire le plus exceptionnel que j'ai vécu dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, cette philosophie hawaïenne correspond parfaitement et précisément avec tous mes principes de vie en fait, et je suis vraiment excité de pouvoir pratiquer cette philosophie et d'attirer à moi de nouvelles situations par rapport à tout ce que j'ai envie de vivre en fait, et c'est exceptionnel, c'est vraiment dans l'amour et c'est magnifique. Il est authentique, il a l'amour divin en lui et il est généreux, il veut l'offrir. Il est reconnaissant et plein de gratitude à la vie, aux autres et à ce que lui-même a dû recevoir.
Je trouve qu'il est très très positif, qu'il entraîne les gens, qu'il est très simple, qu'il n'est pas dans l'ego et qu'il est, enfin, peut-être pas dire ça comme ça, mais ça m'attire parce que je sens qu'il le fait pour le bien de tous, pour répandre au maximum de personnes à pratiquer et à s'améliorer, voilà. Il le fait vraiment presque comme un prêtre, je trouve. Fantastique, fabuleux, extraordinaire, merveilleux. Le premier, c'est généreux. C'est quelqu'un qui ne compte pas, qui donne avec de l'amour, d'accord ? Le deuxième, c'est la compassion. Donc c'est quelqu'un qui a de la compassion, c'est quelqu'un qui est là pour aider les autres, vraiment avec son cœur, et qui va vraiment agir en profondeur avec vous. Le troisième, c'est quelqu'un, bah, comme je vous ai dit, donc de généreux, qui donc partage, beaucoup partage. Le quatrième, c'est quelqu'un de bienveillant. Il est vraiment là pour vous accompagner. C'est la troisième formation que je réalise avec Olivier Madelrieux. Je tiens à dire que je suis pleinement satisfaite de l'ensemble des formations suivies avec Olivier, ceci pour deux raisons. D'une part, parce que ce sont des formations très complètes, avec beaucoup d'explications concernant les protocoles, mais aussi des exercices pratiques qui nous permettent d'intégrer au maximum toutes les données théoriques. Par ailleurs, je désire souligner également la qualité des supports théoriques, des classeurs qui sont extrêmement complets, très bien écrits, avec moult données, que ce soit au niveau anatomique, physiologique ou reprise des protocoles. Et je retiens particulièrement trois choses de cette formation. La première, c'est l'importance du coaching neuro-émotionnel. La deuxième, l'importance de l'intention. Et la troisième, l'importance de la synchronisation. Je recommande ces formations à chacun d'entre vous, et je recommande aussi de revenir, parce que nous avons la chance de pouvoir revenir gratuitement lorsque nous avons réalisé une formation, et ceci c'est vraiment un plus formidable et qui démontre la générosité d'Olivier. Et par conséquent, venez. Vraiment, ce sont des formations top.